gens normaux. T'as pris ton papier? T'as vu le son ou pas? Les gens normaux, une personne normalement constituée, elle peut pas être sur internet pour affirmer un autre. C'est une personne normale. Mais je suis pas rentrée pour parler de ma vie privée. J'ai fait pas ça. J'ai eu peut-être à témoigner certaines choses qui m'est arrivées. Je suis rentrée pour vendre. Pourquoi vouloir m'attaquer sur des choses qui me font moi-même déjà du mal? Que j'encourage les autres à ne pas tomber dessus. Pourquoi? Pourquoi? Ah, Seigneur, donne-moi juste la force, s'il te plaît. Tu vois, tu laisses. Non, je ne vais pas laisser. Lui, il y a son agrafe, j'accouche là, quelques jours, j'ai besoin d'argent, je dois vendre, je dois payer des choses pour mon bébé. Si je ne paye pas, qui va payer des choses pour mon enfant? Personne ne va m'aider. Personne ne va m'aider. J'ai les gynécologues, je dois aller, je dois payer plein de choses. Personne ne va m'aider. Personne m'aide. Donc tous les sacrifices qu'on est en train de faire ne vont pas être en vain comme ça. Même si tu ne veux pas lire, j'ai des lunettes, je dois voir, parce qu'il y a des gens parfois qui posent des questions sur les articles. Donc tu vois, même si tu es forte comment, parce que les gens ils croient que tu es forte, je ne sais pas comment. En tout cas, Seigneur, que Dieu me pardonne juste hein, pour mon manque de maîtrise peut-être. Mais je demande juste qu'il me donne le calme et la force. Mais sachez une chose, j'ai aussi un cœur. J'ai un cœur. J'ai un cœur. Vanessa a aussi un cœur. Je ne viens pas exposer ma vie. Vous voulez que je casse la grossesse? Je vais cacher mon bébé comment? La grossesse, elle vend toujours devant elle, papa, sous le dos. Je viens vendre des produits. Je viens pas insulter quelqu'un. Je viens pas faire du mal à quelqu'un. Je n'ai pas volé le mari de quelqu'un. Pourquoi?